Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour ce quart de finale retour de Women's Champions League entre Chelsea et l'OL. Les Lyonnaises se sont inclinées 1-0 lors du match aller la semaine dernière au Groupama Stadium. Il va falloir renverser la tendance ce soir face à une solide équipe de Chelsea pour espérer rejoindre le FC Barcelone en demi-finale. Le Barça qui s'est assez facilement qualifié face à la Roma. Dans les deux autres quarts de finale, le PSG vient de se faire éliminer sur le terrain de Wolfsburg. Match nul, 1-0 après une défaite 1-0 à l'aller à Paris. Et puis hier, Arsenal a renversé la tendance face au Bayern. Succès 2-0 pour les Gunners. Stamford Bridge, voilà ce superbe stade, cette superbe enceinte qui va accueillir ce quart de finale retour ce soir avec un record de spectateurs pour un match de l'équipe féminine de Chelsea. Plus de 13 000 billets avaient déjà été vendus hier. On attend l'affluence officielle, mais ça pourrait dépasser les 15 000 ce soir. Superbe ambiance donc pour ce match de gala, pour cette belle affiche entre deux prétendants à la victoire finale. L'OL de Wendy Renard et Chelsea, emmené ce soir par sa capitaine Magdalena Eriksson en l'absence de Millie Bright qui s'est blessée la semaine dernière lors du match aller. Les deux équipes se connaissent bien, elles s'étaient déjà rencontrées lors de la saison 2018-2019 en demi-finale. Et c'est l'OL qui s'était imposé, victoire 2-1 à l'aller à domicile et match nul 1-0 au retour. Match qui s'était joué à King's Meadow, petite enceinte où joue habituellement l'équipe féminine de Chelsea. Mais ce soir c'est bien Stamford Bridge qui accueille cette belle affiche. Un mauvais souvenir pour les Lyonnaises qui s'étaient inclinées en finale de la compétition il y a 10 ans, en 2013, face à Wolfsburg, défaite 1-0. Et ce soir, il va falloir être fort, être costaud pour bouger cette équipe de Chelsea, compacte, solide, efficace lors du match aller. L'efficacité, c'est ce qui a manqué aux Lyonnaises. Allez, l'entrée des 22 actrices sur cette superbe pelouse. On profite ensemble de l'ambiance. Chelsea qui jouera en bleu ce soir, les Lyonnaises en blanc. Quel beau moment de football féminin en tout cas. Ce sont ces moments-là que les joueuses attendent toute la saison, ces matchs décisifs face à de grandes équipes, face à de grandes joueuses. Et vous découvrez les visages des Lyonnaises qui débutent. On découvrira la composition ensemble dans quelques instants. Mais vous l'avez vu, Amel Majri est présente. Tout comme Danielle Van de Donk. Et les deux anciennes Lyonnaises, Kadesha Boukanan et Eve Périsset, comme lors du match aller, sont titularisées ce soir. Avec ce duo d'attaquantes redoutables, Lauren James et Sam Kerr, l'Australienne. Sonia Bonpastor qui se souvient peut-être de cette finale perdue il y a 10 ans, ici même à Stamford Bridge. Allez, la compo d'abord de Chelsea en 4-3-3. Berger dans les buts, Eriksson Buchanan en charnière, Carter Périsset dans les couloirs, un milieu à 3 avec Loy Pauls, Cuthbert et Wrighton, la buteuse du match aller.
et Sam Kerr qui sera accompagné de Lauren James et de Liam Charles. Absence de Millie Bright, donc l'emblématique capitaine. Et c'est encore un peu trop juste également pour la star danoise Pernille Harder. Pas encore prête à effectuer son retour sur les terrains. Côté lyonnais, pas mal de changements par rapport au match aller, même si on va garder le même système en 4-4-2 en losange pour Sonia Bonpastor. Selma Bacha va débuter à gauche, notamment à la place de Perle Moroni. Le trio arbitral ce soir, emmené par la Croate Ivana Martinčić, qui avait officié lors du dernier Euro. C'est elle qui avait notamment arbitré le quart de finale entre la France et les Pays-Bas, remporté par les Françaisses. Un bon souvenir pour Eve Périsset, auteur du penalty qui avait permis aux Bleus de se qualifier. Le toss entre les deux capitaines, Wendy Renard, Magdalena Eriksson, la Suédoise. Elle qui avait remplacé Millie Bright lors du match aller. Elle est titulaire et capitaine ce soir. Et la compo lyonnaise, donc, je vous le disais, ce 4-4-2 en losange, avec l'entrée de Selma Bacha, entrée également d'Amel Majri, de Daniel Van de Donk et Signe Brun, l'attaquante danoise, c'est la petite surprise de Sonia Bonpastor. Le sommaire, Béchaud et Egerberg sont sur le banc. On les verra peut-être rentrer en cours de jeu. La concentration de la capitaine Wendy Renard, qui en a connu de grands matchs, de grands moments avec l'OL. Un de plus à disputer ce soir après ce genou à terre. C'est Signe Brun dans le rond central qui va toucher la première, le ballon. Et c'est parti pour ce quart de finale. Retour de Women's Champions League. Un but de retard pour les Lyonnaises au coup d'envoi. Une victoire pour arracher au minimum la prolongation. Un succès avec deux buts d'écart. Et ce sera la qualification. Bacha qui tente un premier débordement. Interception de Périsset dans les pieds de Majri. Deux joueuses formées à l'OL qui s'opposent ce soir sur le terrain dans le même couloir. Amel Majri, titulaire pour la première fois depuis sa blessure au genou et sa grossesse ce week-end lors de la victoire 6-0 face à Guingamp. Wrighton, James. Ça combine côté gauche. Centre contré. Ce sera une touche pour Chelsea. La voici, la buteuse du match aller. But précieux pour l'instant pour l'équipe des Mahais. Poltz, la remise, tacle, Horan, sortir ce ballon en touche. Remise en jeu de Carter. Centre, directement dans les gants de Christian Endler. Elle qui était passée par Chelsea quelques mois en début de carrière, s'était blessé, était ensuite rentré au Chili avant le parcours que l'on connaît, plusieurs saisons au PSG et désormais à l'OL au plus haut niveau. Il
Bien joué la remise de Brun pour Majri. Allez, il y a de la place côté droit avec Delphine Cascarino. Première possibilité pour les Lyonnaises. La frappe de Cascarino s'est renvoyée par Berger. Ballon qui traîne dans la surface de réparation. Et finalement, dégagement de Jess Carter. Allez, on revoit la possibilité pour Cascarino. La frappe en force. Berger qui a eu du mal à se saisir de ce ballon. Et ensuite le cafouillage. Cascarino qui avait touché le montant, le poteau la semaine dernière. Toute proche d'égaliser en seconde période. Aren avec Bacha. Fin de centre. Lyonnaise qui s'installe dans le camp adverse. Longue transversale de Wendy Renard vers Delphine Cascarino. Au centre, mais personne n'avait suivi dans l'axe. Ballon remis sur Brun qui manque le cadre. Quelle opportunité suite à cette relance mal ajustée de la défense de Chelsea. Brun face au but qui choisit de frapper en force avec ce mauvais renvoi d'Eriksson qui avait déjà été auteur d'une relance manquée qui avait failli coûter l'égalisation à son équipe lors du match aller. Pas sereine la capitaine du soir, la suédoise Magdalena Eriksson. Et l'absence de Millie Bright, la capitaine emblématique de cette équipe en défense centrale, peut peser. Cascarino, la montée de Carpenter. Le centre d'Eli Carpenter. Majri qui avait laissé passer pour Brun. Déjà des ballons intéressants à jouer pour la Danoise. Auteur d'un doublé ce week-end contre Guingamp. Voilà peut-être pourquoi Sonia Bonpastor a décidé de la titulariser en confiance. Et puis elle a un gabarit aussi qui peut permettre de peser sur la défense de Chelsea. Et qui avait été prêtée à Manchester United durant la seconde partie de saison l'année dernière. Remise en jeu pour Carpenter. Les Lyonnaises sont bien rentrées dans ce match. Ce sera une sortie de but. Anne-Catherine Berger qui prend son temps. Gardienne allemande de Chelsea. Attention au pressing. Les attaquantes londoniennes. Handler. Vanessa Gill, la canadienne. Renard, attention à ce pressing. Cuthbert, véritable poison, la petite écossaise, passeuse décisive la semaine dernière. Pas sûr de tenir sa place ce soir. Mais finalement, elle est bien titulaire. Sortie légèrement touchée lors du match aller, sortie également ce week-end lors de la défaite de Chelsea sur le terrain de Manchester City, défaite 2-0. Comme quoi cette équipe de Chelsea n'est pas invincible.
compte désormais un point de retard sur les deux Manchester. Ce championnat anglais, la WSL, mais avec un match en moins. Et les supporters lyonnais qui ont fait le déplacement pour encourager leur équipe doivent être satisfaits, rassurés par ce début de match. Les Lyonnaises entreprenantes. Bacha, bon coup franc avec son pied gauche. Et Berger s'impose dans les airs. Carter qui remonte le terrain. Sam Kerr, James. Bien fait de la part de 22 donc. Sonia Bonpastor plutôt sereine en conférence de presse hier. Expliquait que certes, son équipe était menée d'un but dans cette double confrontation, que Chelsea était un adversaire très solide, qu'elle respecte évidemment, mais tout est possible. Selon elle, ces joueuses ont l'expérience de ces matchs de très haut niveau. Pas de panique côté lyonnais. Carter qui s'impose dans les airs. Attention à cet appel de balle de Wrighton côté gauche. Contré, ce sera un corner, le premier de la partie pour Chelsea. Et attention, c'est une équipe très performante sur coup de pied arrêté. Seth Perisset qui va frapper ce corner rentrant. Premier poteau, c'est bien fait. Sorti de la tête par la défense lyonnaise. Et nouvelle touche pour Chelsea. Les Blues qui restent installés dans le camp lyonnais. Jess Carter pour effectuer cette remise en jeu. Tergiverse un petit peu, pas beaucoup de solutions. La touche longue. Et ce sera sans danger pour Endler. Les Lyonnaises à la relance. Wendy Renard. Van de Donk qui est venu chercher ce ballon. Attention au pressing de Leupolz. Damaris avec Bacha. Bien joué ça pour Majri dans l'intervalle. Horan qui laisse passer pour Bacha. Ça n'a pu aller plus loin. Mais la touche sera tout de même lyonnaise. Joli mouvement. Bacha qui tarde à effectuer la remise en jeu, c'est joué court sur Majri. Intervention de Cuthbert. James avec cœur. Et heureusement, la mauvaise prise de balle de Leupold, ça permet aux Lyonnaises de récupérer le ballon.
L'imagerie, il y avait l'appel de Cascarino qui n'a pas été servi tout de suite. Carpenter. La voici, Delphine Cascarino face à Carter. Beau duel. Solide, hein. Jess Carter, championne d'Europe anglaise. Angleterre qui a remporté le dernier Euro à la maison. Allez, Ellie Carpenter, un petit peu de champ pour l'Australienne qui peut centrer. Le centre est bon. C'est Lindsay Horan qui était là à la retombée. Majerie. Majerie toujours. Pied gauche, contré. Sam Kerr, belle prise de balle. La star australienne, coéquipière de Carpenter en sélection. Canan, Périsset. Les duels sont francs. Elle a déjà eu beaucoup d'intensité lors du match aller. Les Lyonnaises craignaient justement de subir la force athlétique de cette équipe de Chelsea, mais finalement, sur cet aspect-là, elles ont réussi à répondre. Il a manqué l'efficacité, un peu trop de déchets techniques dans le dernier ou l'avant-dernier geste. Et puis attention aux pertes de balles. On a vu Damaris là, sous pression. Elle reste au sol, la néerlandaise. Elle a pu se relever. Et Cascarino, côté droit, pour centrer. Allez, Carpenter. Bacha qui temporise pour retrouver Wendy Renard. La belle ouverture. C'est repris de la tête par Buchanan, son ancienne coéquipière en charnière centrale. Lauren James qui est passé. Attention à Sam Kerr. Pas de hors-jeu signalé pour l'instant. Kerr face à Endler. L'arrêt de la gardienne de l'OL. Première énorme occasion pour Chelsea. Et on va revenir à la faute. Allez, on va revoir tout cela avec Lauren James, qui résiste au retour de Bacha, qui peut servir Kerr, pas de hors-jeu. Et l'Australienne qui se heurte à Christian Endler, qui ne s'est pas couché, qui reste solide sur les appuis et qui sort ce ballon du visage. Elle avait déjà manqué quelques opportunités lors du match aller, l'Australienne. Pas en réussite, tant mieux. Et c'est bon pour la confiance de Christian Endler également d'effectuer cet arrêt. Mais attention à ces ballons, à ces contre-attaques rondement menées par les joueuses de Chelsea. Le coup franc pour Périsset ou Wrighton sera-t-il direct? F. Périsset pour une combinaison, la remise et l'intervention de Selma Bacha. Ce sera un corner pour Chelsea. Allez, toujours le pied droit rentrant d'Ève Périsset. Une nouvelle fois premier poteau et une nouvelle fois renvoyé par la défense lyonnaise. Et bon pressing de Cascarino qui obtient la touche. Permettre à ses coéquipières de remonter le terrain.
Carpenter avec Brun. Il a pu conserver ce ballon. Nouvelle touche pour l'OL. Et sous un autre angle, encore le duel Sam Kerr, Christian Endler. La déviation de Brun vers Cascarino. Cascarino qui rentre intérieur. Vande donc. Bien fait ce décalage pour Carpenter. Allez, le bon centre, deuxième poteau. La remise de Horan. Vande donc, frappe contrée. Vande donc encore. Frappe un peu molle, mais sortie en corner. C'est Cuthbert qui a pris ce ballon dans l'estomac. Allez, Salma Bacha avec la qualité de son pied gauche pour déposer le ballon sur la tête d'une coéquipière. Pourquoi pas Wendy Renard, la meilleure passeuse de la dernière édition. C'est parti, point de pénalty, ballon qui traîne et ce sera un nouveau corner. Certaines joueuses demandent une main. Côté lyonnais, l'assistance vidéo ainsi que la goal line technologie sont en place depuis les quarts de finale aller dans cette compétition. Alors la situation a dû être checkée et le corner va pouvoir être joué. Et c'est Vanessa Gilles qui était à la retombée. Et aussi un bon jeu de tête. À l'origine du but qui avait permis à l'OL de s'imposer 1-0 sur le terrain d'Arsenal il y a quelques semaines en phase de poule. Avait été inscrit contre son camp par Mahanoum, norvégienne d'Arsenal, par ailleurs auteur d'une frappe somptueuse lors du succès face au Bayern hier. La touche effectuée par Carter. James. Le ballon n'est pas sorti. James qui retrouve Carter. Passé face à Cascarino. Centre renvoyé par Vanessa Gilles. Raïtan qui va obtenir un corner de nouveau de ce côté-ci. Les joueuses de Chelsea qui attaquent beaucoup par le côté gauche depuis le début du match. Nouvelle tentative pour F. Périsset. Allez, la combinaison s'est jouée court avec James. James en puissance qui est passé, qui est rentré dans la surface de réparation. La frappe et l'arrêt d'Ender. Quel numéro de James et quelle parade de la gardienne de l'OL. Qu'est-ce qu'elle est dure à stopper Lauren James quand elle part comme ça. Et la manchette magnifique de Christian Endler qui est dans un grand soir. Corner de l'autre côté cette fois-ci.
Et la tête qui passera largement au-dessus. Il y a du monde autour. Le joueur a une touche de balle. La touche obtenue. Andy Renard cherchait Van de Donk. C'est passé avec un peu de réussite. Horan. Le ballon était sorti. Difficile de se défaire du pressing des joueuses de Chelsea. Carpenter qui a tenté de trouver Cascarino. La couverture de Carter. Brighton, Werker. Oh, et l'anticipation de Christian Endler qui avait bien senti le coup. Ça aurait pu être risqué. Elle a parfaitement réussi son intervention parce que Sam Kerr était parti dans le dos de Vanessa Gill. Même si elle était désaxée, ça aurait pu être dangereux. Attention, ce ballon récupéré par Erin Cuthbert, Lauren James, Buchanan avec Périsset. Il y a de la qualité sur ce terrain des deux côtés. Attention, bien communiqué Wendy Renard avec Christian Endler. Qui multiplie les appels dans le dos de la défense. Alors mise en jeu pour l'OL. Van de Donk. Pas résister au retour de Cuthbert. Qui cherche tout de suite Sam Kerr. Attention à cette intervention manquée de Vanessa Gill. L'Australienne qui temporise, qui peut trouver l'œil Pultz dans la surface. La frappe de l'internationale allemande, ça passe à côté. Les opportunités se multiplient pour Chelsea depuis quelques minutes. Et on revoit la petite poussette de Sam Kerr sur Vanessa Gill qui demandait une faute. Ça n'a pas été signalé. Derrière, Lloyd Pauls qui ne parvient pas à cadrer. Attention, Horan qui reste au sol, l'américaine, côté lyonnais. Semble être touché au visage. Qui demande au staff médical d'intervenir. On va revoir. Ouais, il y a le bras de Lloyd Pauls qui vient sur le visage de l'américaine Lindsay Horan. Côté Chelsea, on profite de cet arrêt de jeu pour redonner quelques consignes. Onzième saison pour Emma Hayes,
donc coach de Chelsea. Elle qui a longtemps été adjointe dans un premier temps, adjointe d'Arsenal, où elle avait remporté cette Coupe d'Europe en 2007, avant de tomber face à l'OL en quart de finale l'année suivante. Et puis adjointe également à Washington, où elle a connu Sonia Bonpastor lorsqu'elle était encore joueuse. Les deux femmes s'apprécient, se respectent. Ça a l'air d'aller pour Lindsay Horan, qui va pouvoir reprendre sa place. Bacha. La remise de Brune. Allez, Horan, justement. Avec Van de Donk. Le petit ballon. Brune, la reprise dans les gants de Berger. C'était cadré. Il y avait la puissance, mais la gardienne de Chelsea était sur la trajectoire. Et bon ballon de Van de Donk. L'enchaînement presque parfait pour Brune. Les deux équipes, capacité de marquer, capacité de se qualifier. Ça va se jouer à des détails. À l'efficacité offensive, aux arrêts des gardiennes. Et pour l'instant, c'est bien Chelsea qui a un but d'avance grâce à son succès du match aller. Carpenter, pressing des londoniennes et coup franc obtenu par Van de Donk. Passe de Vanessa Gill, coupé, et Carter qui ne prend pas de risque, qui sort ce ballon en touche. Damaris, un ballon récupéré par Wrighton. C'est le cœur qui avait tenté la déviation, ça n'est pas passé. Majri, Horan avec le déboulé de Salma Bacha. Horan qui rentre intérieur, le centre vers Brune, un petit peu trop haut, trop fort. Qui allait tenter la frappe. L'impression qu'elle va quand même chercher sa coéquipière. Ballon trop profond. Tranquillement récupéré par la gardienne de Chelsea, qui prend son temps, qui fait tourner le chrono. Plus de passes réussies côté lyonnais en ce début de partie. Lyonnais qui essaye peut-être davantage de construire le jeu. Et leur adversaire qui a un jeu un peu plus direct. Ripples avec Périsset. Voici une phase de possession pour les joueuses de Chelsea dans le coin adverse.
Cuthbert à la manette. Ayton, attention, elle est passée face à Carpenter. Et Vanessa Gil qui est venue à sa rencontre pour sortir ce ballon en corner. Petit numéro de Guro Ayton. Allez, le cinquième corner pour Chelsea. Quatrième de ce côté-ci. James, contré par l'arbitre, qui va arrêter le jeu. Elle s'excuse, madame Martinčić, d'avoir été sur la trajectoire du ballon. Elle a tenté de laisser passer ce ballon entre ses jambes, ça n'a pas fonctionné. Allez, on rend la balle à Chelsea qui joue vite. Attention, vigilance. Ce sera bien un corner, le sixième donc pour les Blues. Pied gauche rentrant, toujours premier poteau. Pour l'instant, les Lyonnaises sont bien positionnées, efficaces défensivement sur les coups de pied arrêtés. La Vande donc pas d'accord avec la décision de l'arbitre. Elle estime avoir pris le ballon sans faire faute. On va voir cela. Ça peut se discuter. Elle, l'ancienne joueuse d'Arsenal, 6 saisons chez les Gunners, la néerlandaise, qui a de nombreuses reprises affronté Chelsea. Moins devant, ce sera trop profond, sans danger pour la défense lyonnaise. On voit ça. Périsset, James qui se balade. Lohan James, un coup à gauche, un coup à droite. Andy Renard au duel avec Eve Périsset. Et la relance qui trouve Delphine Cascarino. Elle aussi a changé de côté et passé à gauche sur cette phase de jeu. Attention, Rowan qui reste au sol, cette fois-ci touché au genou, semble-t-il. Elle boite, l'américaine, elle a pu se relever. Cuthbert. On passe par sa défense centrale. Le Canan Périsset. Leipoldt, Buchanan qui allonge vers Lauren James, le centre, Sam Kerr et l'intervention de Vanessa Gil. Elle obtient
Un coup franc signe Brun. Coup franc bienvenu car elle avait perdu la balle. On voit ce bon centre de Lauren James. Et superbe intervention de Vanessa Gilles. La Canadienne qui s'est parfaitement intégrée dans cette équipe lyonnaise. Elle qui est prêtée par la franchise américaine d'Angel City, ancienne bordelaise. Venue pour pallier l'absence de Bridget Mbok, le départ de Buchanan également. Carpenter, le centre, deuxième poteau, la reprise manquée, dévissée de Cascarino. Allez, on retrouve l'Australienne au débordement face à Wrighton. Alors, est-ce que ce sera un corner ou une sortie de but? Une sortie de but. Difficile de juger sur ce ralenti. Wrighton a eu gain de cause. Cascarino. Rebond favorable. Pas de main, ça joue. Et derrière la faute de Mélanie Leupolz. Oui, bien en retard. L'internationale allemande qui retrouvera sa sélection lors du prochain rassemblement. Elle qui est comme Amel Majri a accouché ces dernières semaines. De Bacha directement dans les gants de Berger. Allez, on est à 5 minutes de la pause. Toujours 0-0. Score qui, pour l'instant, fait les affaires de Chelsea. Cuthbert. Buchanan. Charles qui revient sur Périsset. Charles avec Leupolz. James. Et on entend la voix de Sonia Bonpastor sur le banc lyonnais qui replace et encourage ses joueuses. Ça permute beaucoup côté de Chelsea, il faut être vigilant. Le placement défensif. Parce que les Lyonnaises n'ont pas la balle. Et l'arbitre qui a hésité, qui a finalement laissé jouer. Dégagement de Kadesha Buchanan. Est parti derrière la ligne de but. Majri. Horan. Majri Bacha. Un peu plus dur là d'enchaîner les passes, les mouvements face au pressing des Blues. Okay,
La ménagerie avec Wendy Renard. Chercher l'intervalle, Van de Donk pour Signe Brown. Tranquillement géré par la défense de Chelsea. En tout cas, Sonia Bonpastor qui a beaucoup de possibilités sur son banc avec les retours de blessures de plusieurs joueuses ces dernières semaines, dont celui d'Ada Egerberg, buteuse une minute après son retour sur les terrains ce week-end, qui évidemment n'est pas à 100%. James tente la frappe pied gauche, pas cadré, elle qui avait trouvé le poteau la semaine dernière en rentrant intérieur et en frappant pied gauche. Oh ouais, on a la déviation. Buchanan qui s'interpose. On est dans la dernière minute du temps réglementaire. Pour l'instant, ça ne veut pas se débloquer côté lyonnais. Plus grosses occasions en début de partie, notamment cette frappe de Signe Brown passée au-dessus de la cage suite à une mauvaise relance de Magdalena Eriksson. Chelsea a aussi eu de belles opportunités avec le face-à-face de Sam Kerr face à Christian Endler. Allez, 2 minutes de temps additionnel. Y aura-t-il une dernière occasion en cette première période? Le jeu long pour Wendy Renard. Cascarino, Carpenter. Van de Donk. La passe est mal ajustée. Il faudra faire plus et mieux en seconde période pour tenter de déstabiliser cette solide équipe de Chelsea qui prend très peu de buts. Casbert au duel avec Damaris. Les deux joueuses restent au sol. Allez, Vanessa Gilles qui va tenter peut-être de mettre ce ballon dans la boîte pour une dernière opportunité. C'est parti, loin devant. Vers Signe Brown, la déviation, Horan. Ah, il y avait Van de Donk en retrait, elle n'a pu la servir. Et derrière, pourquoi pas, la contre-attaque menée par Sam Kerr. La faute de Vanessa Gilles, mais on en restera là. C'est la pause ici à Stamford Bridge, 0-0. À l'issue de cette première période, Chelsea pour l'instant toujours qualifié grâce à son succès 1-0 la semaine dernière au Groupama Stadium. Match qui a du mal à se décanter malgré, on l'a dit, quelques opportunités de part et d'autre. Toujours pas de but ici. Il va rester aux Lyonnaises 45 minutes pour tenter d'arracher au moins une prolongation.
et au mieux une qualification. Il faudrait pour cela marquer deux fois sans encaisser de but. Alors on savait que ça allait être un gros combat, un gros challenge ce soir pour les Lyonnaises. On en a la confirmation. Espérons que les choses se décantent au retour des vestiaires. Et on verra s'il y a déjà des changements d'un côté ou de l'autre. Pour l'instant, les deux équipes sont bien en place. Et on disait, il y a du beau monde sur le banc lyonnais. Avec Egerberg, Le Sommer, Béchaud. Ou encore les milieux de terrain Debritz et Marojane qui étaient titulaires lors du match aller et qui sont sur le banc ce soir. Le tableau de statistiques. Chelsea a eu un peu plus le ballon que l'OL, mais ça reste très équilibré. 9 frappes pour l'OL, 2 cadrés. Et 6 corners pour Chelsea. Tableau de bord qui vient confirmer l'impression sur le terrain. Et on écoute Danielle van den Lennep. Yeah, it just feels like a normal game to me, really, but we're just 1-0 behind, so we have to go and score a goal. Okay, thank you very much. Yeah, cheers. Voilà, ça a été court, concis. Van de donc concentré sur son match, qui nous a expliqué qu'il fallait simplement marquer dans ce match, c'est l'essentiel. Et on se retrouve dans quelques instants pour la seconde période. À tout de suite. Running needs nothing. It was born free. Goalpost free. Finish line free. Running doesn't care whether you're breaking records or setting a record for breaks. Running needs nothing but you. Anthony Joshua begins with all future fights live exclusively on The Zone. Rising with a clear mission. Come back stronger. Redemption is in the ring. Witness the rise. Starting with Joshua versus Franklin, live only on The Zone. Is the future of German football. Keine Ahnung, wie sie es macht, aber irgendwie kommt sie immer an den Ball. Sie hat einfach gar keine Angst vor jeglichen Zweikämpfen. Finding Lena Roberts.
Als Spielerin auf jeden Fall ihre Schnelligkeit hätte ich auch manchmal gern. And Brandt is in! Hildebrandt never gives up. Mit ihrem starken Dribbling kommt sie überall durch. Oh, what a lovely team goal! Das erste Mal habe ich Obi getroffen bei einem U19-Lehrgang. Aber so richtig gesprochen haben wir damals noch nicht. Wir haben mehr so nebeneinander hergelebt. Jetzt spielen wir auch in der Nationalmannschaft, machen auch neben dem Platz was zusammen. Ich würde schon sagen, dass sie so zu einer meiner besten Freundinnen geworden ist, die ich hier jetzt in Wolfsburg habe. Und ich mich einfach extrem freue, auch mit ihr in der Mannschaft zu spielen. Wir haben verschiedene Fähigkeiten im Team, wir brauchen alle. Und ich glaube, deswegen ist es extrem wichtig, gar nicht zu sagen, okay, ich will so sein wie der oder wie der, sondern wirklich seinen eigenen Weg findet und man selbst ist und ja, einfach Leute begeistern kann. Ich stelle jetzt ein paar so Ping-Pong-Fragen. Mhm. Okay. Hunde oder Katze? Katze. Hund. Weggehen oder zu Hause bleiben abends? Weggehen. Abends zu Hause. Lieblingsessen? Burger mit Süßkartoffelpommes. Kartoffelpizza aus dem Thermomix. Kann was. Champions League oder WM? WM. Beides. Um die WM 2023 zu gewinnen, brauchen wir, dass jeder seine Fähigkeiten ins Spiel reinbringt. Jeder Bock hat aufs Turnier, Bock hat, die WM zu gewinnen und dann alles dafür geben. Ich habe hier ein paar Designs gemacht. Wollte eure Attribute, so gut es geht, darstellen. Ich zeige euch jetzt mal, wie ich mir das ungefähr vorgestellt habe. Diese Customized DFB-Jacke soll uns im Sommer motivieren, inspirieren und den Teamgedanken in den Vordergrund stellen. Denn nur gemeinsam können wir was bewegen. Und unten drunter die 6 Sterne der Nationalmannschaft. Die 4 äußersten Sterne stehen für die Nationalmannschaft der Herren. Das sind die 2 Sterne von den Frauen. Und der Stern in der Mitte symbolisiert dann den 7. Stern, also für den hoffentlich 3. Stern der Frauenmannschaft. Sie haben ja jetzt eine Weltmeisterschaft und wir hoffen natürlich alle, dass sie die gewinnen. Ich glaube, dass wir im Frauenfußball auf dem richtigen Weg sind, aber es durchaus noch Luft nach oben gibt. Wir müssen einfach weiter Gas geben, weiter auf dieser Welle bleiben. Ich glaube, da sind wir dann auch in der Pflicht, einfach weiter guten Fußball zu zeigen, leidenschaftlich in die Spiele reinzugehen und einfach weiterhin Menschen zu begeistern. Ich glaube, es ist einfach schwierig, Generationen zu vergleichen. Wenn ich an die Generation denke, die vor mir kam, ich glaube, die haben den Frauenfußball schon zu einem gewissen Level auch gebracht. Und ich glaube, dass jede Generation seine Zutat hinzufügt. Und deswegen bin ich gespannt, was die nächsten Generationen dann auch wieder mitbringen werden. Meine Message für die nächste Generation ist einfach immer Spaß haben am Fußballspielen. Nicht zu verbissen, die ganzen Ziele, die man hat, anzugehen. Ja, jede Sekunde genießen und dann kommt alles von alleine. Die beiden gehören zu Generation Z, zu unserer Generation. Die haben es vorgemacht, wir müssen es noch nachmachen.
The new dawn of Anthony Joshua begins. With all future fights live exclusively on The Zone. Rising with a clear mission. Come back stronger. Redemption is in the ring. Witness the rise. Starting with Joshua versus Franklin, live only on The Zone. Running needs nothing. It was born free, goalpost free, finish line free. Running doesn't care whether you're breaking records or setting a record for breaks. Running needs nothing but you. De retour à Stamford Bridge pour la seconde période de ce quart de finale retour de Women's Champions League entre Chelsea et l'OL. 0-0 à la pause. Et après la victoire de Chelsea 1-0 à l'aller la semaine dernière au Groupama Stadium, les Blues sont pour l'instant toujours qualifiés pour les demi-finales. Mais il va rester 45 minutes aux Lyonnaises pour tenter de faire la différence, de marquer au moins un but. Et on va certainement avoir, dès l'entame de cette seconde période, l'entrée d'Ada Hegerberg. La voici, la buteuse norvégienne. Beaucoup d'espoir repose sur son retour à la compétition. La meilleure buteuse de la Women's Champions League, qui a fait son grand retour sur les terrains ce week-end face à Guingamp. Entrée à la 70e minute de jeu, buteuse à la 71e, une minute seulement après son entrée sur la pelouse. Alors certes, elle n'est pas à 100%, elle a encore des repères à retrouver, mais en tout cas, ça reste une buteuse hors norme et une joueuse avec un mental qui peut emmener aussi les autres. Une grande compétitrice. Alors on va voir à la place de qui rentre Ada Hegerberg. Sans doute à la place de Signe Brun du poste pour poste. Confirmation dans quelques secondes. Ada Hegerberg dans le dernier match dans la compétition, remonte à la finale de la saison dernière remportée face au FC Barcelone. Buteuse d'ailleurs, Hegerberg. Alors qu'on revoit les plus belles occasions de cette première période. Tentative d'abord de Delphine Cascarino. Et la plus belle occasion sans doute, celle de Signe Brun, la Danoise, qui manque sa frappe. Côté Chelsea, c'est le face-à-face de Sam Kerr face à Christiane Endler, la gardienne lyonnaise, décisive à deux reprises sur cette frappe de Lauren James également. Les deux équipes ont eu leur chance, pour l'instant pas de but. Tout reste à faire pour les lyonnaises dans ces 45 dernières minutes. Et voilà, toute la rage, l'envie, la détermination d'Ada Hegerberg qui remplace bien Signe Brun, c'est confirmé. 59 buts au compteur dans la compétition, dont 54 avec l'OL. Elle espère évidemment en marquer au moins un autre ce soir, aider ses coéquipières à franchir cet obstacle de taille qu'est Chelsea pour rejoindre le FC Barcelone en demi-finale à la fin du mois d'avril. C'est reparti pour ce quart de finale retour. Carpenter contré par
Brighton, la touche pour Chelsea. Carter à la remise en jeu. Ballon renvoyé vers Egerberg. Premier ballon à jouer pour l'attaquante norvégienne. Ça redonne du beau au cœur aux supporters lyonnais qui ont fait le déplacement à Londres. Attention à cette offensive londonienne. Ballon bien ressorti par Ellie Carpenter. Bande dedans qui retrouve Carpenter. Attention au retour de Wrighton qui vient lui chipper la balle. James. Wrighton. À la faute de Damaris qui va être sanctionné. Pas évident de lui prendre le ballon à Lauren James. La sœur de Reece James, également joueur de Chelsea. Périssait pour frapper ce coup franc. Damaris dans les airs. Qui revient dans les pieds de Kadesha Boukanan. Perception de Selma Bacha. Horan. Bacha. Pressing. Les joueuses de Chelsea qui ne viennent pas forcément chercher trop haut. Mais derrière, il y a un bloc bien compact qui vient harceler le porteur du ballon. Cette fois-ci, Lauren James avait senti le coup, avait senti qu'il y avait possibilité de presser Wendy Renard. Wrighton à l'entrée de la surface de réparation. Frappe pas assez appuyée, heureusement. Elle avait tout le loisir d'armer, d'ajuster. Elle n'était pas attaquée. Wendy Renard qui allonge côté droit vers Delphine Cascarino. La remise vers Van de Donk, ça n'est pas passé. L'arbitre qui laisse jouer. Fosbert a pu se relever. Egerberg au pressing sur son ancienne coéquipière Boukanan. Et ça permet aux Lyonnaises de récupérer Bacha. Voilà ce que peut amener Ada Egerberg. Cette envie aussi d'aller de l'avant, d'aller chercher l'adversaire. Majri qui n'a pu conserver la balle. Et attention derrière la contre-attaque. Wrighton opposé qui va retrouver Sam Kerr. Tentative de l'Australienne. Ça passe largement à côté. Pas beaucoup de solutions pour elle. Elle a tenté sa chance. Elle est capable. Hein. Déjà inscrit des buts formidables. Notamment face au PSG en phase de poule. Frappe en pleine lucarne. De la victoire ici à Stamford Bridge, 3-0 face aux Parisiennes qui, on le rappelle, se sont malheureusement fait éliminer cet après-midi par Wolfsburg.
Wrighton dans la surface. Pousse trop son ballon. Tamaris, Bacha. Chercher la profondeur. Ballon récupéré par Buchanan. Allez, le pressing de Van de Donk. Majri avec Egerberg. Ça n'est pas passé. Hyperactive. Erin Cuthbert veillait. Joueuse. De grande, grande qualité. Leupolz avec Carter. Joueuses de Chelsea qui prennent leur temps à la relance. Eriksson. Canan. Déviation de la tête. Allez, il faut le garder ce ballon. Oren avec Majri. Touche obtenue par Jess Carter qui défend très bien, qui est vraiment dur à passer, l'internationale anglaise. Alors petit gem pour Niamh Charles. Sans la frustration de Sonia Bonpastor qui voit le chrono tourner, mais même s'il reste encore beaucoup de temps. Attention à ce ballon récupéré. Eleni Leupolz. Prise à deux des Lyonnaises. Selma Bacha qui peut ressortir ce ballon. Mais encore Cuthbert sur la trajectoire. Qui récupère et qui distille. Eriksson, allez, il faut aller la chercher, Eriksson, elle est pas sereine, Van de Donk, pas de faute, ça joue aussi le coup de sifflet finalement. Ah, au départ, elle ne fait pas faute, la néerlandaise, c'est ensuite qu'elle accroche la défenseur de Chelsea. Et on le sent, hein, chaque fois dans ses interventions, Magdalena Eriksson. Il y a un coup à jouer, vraiment. Assiel qui avait offert grosse occasion à Delphine Cascarino lors du match aller. Et en première période également, un mauvais renvoi qui aurait pu coûter cher à son équipe. Et ce genre de détails doivent donner confiance aux Lyonnaises. Alors, coup de sifflet, position de hors-jeu. Rendre le ballon aux joueuses de Chelsea. Autre changement se prépare côté lyonnais avec Zara Debritz, internationale allemande. Peut-être à la place d'Amel Majri. Changement va avoir lieu. Non, ce sera à la place de Damaris. Alors, comment va s'articuler
L'OL au milieu de terrain avec la sortie de sa sentinelle. Cascarino au débordement. Le centre légèrement dévié. Ça revient dans l'axe sur Oren qui manque complètement sa reprise de volée. Et le ballon va sortir en sortie de but. Berger qui prend toujours son temps. Debritz pour son premier ballon, touché de la tête. Van de Donk. Passement de jambe, mais ça n'est pas passé face à Cuthbert. Ballon tout de même récupéré par les Lyonnaises avec Majri. Carpenter qui est venu chercher haut. Cascarino. Passé cette fois-ci, deuxième poteau. Gerber qui était là. Ballon sorti de la tête par Buchanan. Allez, le temps fort pour les Lyonnaises. Avec Bacha qui accélère. Et ça passera pas, ça passera pas. C'est bien défendu par Niam Charles. On va revoir l'intervention de l'ancienne Lyonnaise Kadesha Buchanan qui vient devancer Ada Egerberg. Semble très à l'aise hein, avec sa nouvelle équipe expérimentée canadienne. Karen, c'est bien fait. C'est elle hein, qui s'est positionnée devant la défense désormais, l'internationale américaine. Enfin, il s'agit d'attention au pressing de Lauren James. Renard. Aaron. Majri. Allez, peut-être un bon ballon à jouer. Ce sera tranquille pour Berger qui va encore gagner un peu de temps. Commencer à le faire en première période, elle va s'arrêter en si bon chemin. La gardienne allemande. Ça discute sur le banc de Chelsea. Pas encore de changement du côté de Emma Hayes. Attention, elle s'est fait mal là. Reiten en retombant. Reste au sol la Norvégienne. Le jeu se poursuit. Karen Egerberg, Cascarino. Quelle activité, quelle efficacité. Tout ce qu'elle fait, Cuthbert, même si là elle vient perdre le ballon. Vraiment incroyable, l'Écossaise. On avait découvert lors de la confrontation entre les deux équipes en 2018-2019. C'est elle qui avait marqué le but de Chelsea au Groupama Stadium lors de la victoire lyonnaise de 2-1. Quelques saisons plus tard, elle est toujours là et elle a pris de l'ampleur, de l'importance dans cette équipe.
a la particularité d'avoir marqué également face à Montpellier et face au PSG en Coupe d'Europe. La voici, Erwin Kasbert, qui joue rapidement sur Sam Kerr. Le retour de Majerie. Cascarino. Carpenter avec Debritz. La touche sera lyonnaise. 30 minutes à jouer dans ce match. Toujours 0-0. Et Bacha qui n'a pu contrôler ce ballon. Session qui s'est équilibrée, elle était très légèrement à l'avantage de Chelsea à la pause. C'est désormais du 50-50. Les Lyonnaises ont mis le pied sur le ballon. Van de Donk qui est passé. Ah, dommage. Joueuse de Chelsea qui est venu toucher ce ballon du bout du pied. S'agile avec l'appel d'Ada Egerberg. Egerberg dans la surface. Ouais, un petit peu ça passe, mais l'appel, la prise de balle est intéressant. Allez, on va la retrouver, Egerberg. La tête d'Ada Egerberg, ça file à côté. Alors Kev Périsset reste au sol. Allez, on revoit l'occasion de la tête pour Ada Egerberg qui ne semblait pas être hors jeu. Le duel avec Buchanan, elle n'a plus cadré sa tentative. Et son activité, ses déplacements sont vraiment intéressants. On pense que l'OL a été privé de cette joueuse durant de longs mois. Privé également de Katarina Macario, la jeune attaquante américaine si précieuse la saison dernière en Champions League. Victime des croisés. Alors Périsset a pu se relever. Le dégagement de Berger. Hunter vers Egerberg, déviation de la tête. On deux donc au duel. Debritz qui récupère ce ballon et peut servir Cascarino. Le centre renvoyé par Buchanan, une joueuse de Chelsea est au sol. Et l'arbitre qui va arrêter le jeu. C'est Loy Pauls cette fois-ci. Elle a le visage en sang, Mélanie Loy Pauls. Elle semble se plaindre près de l'arbitre, peut-être d'avoir pris un coup dans un duel. Alors, est-ce que c'est ici
avec Van de Donk. Oui, alors c'est involontaire hein, puisque Van de Donk est emmené dans son duel par Cuthbert. Regardez Cuthbert qui va venir pousser Van de Donk sur l'œil Pauls. Et derrière, la pauvre Mélanie Loy Pauls qui saigne abondamment du nez. Ça continue de saigner là. Il va falloir stopper l'hémorragie. Notamment de savoir si elle va pouvoir reprendre sa place internationale allemande. On continue de discuter sur le banc de Chelsea, d'ajuster tactiquement les choses. Et on va sans doute procéder au changement hein, avec Sophie Ingle, la Galloise qui était titulaire lors du match aller, qui a l'habitude d'évoluer devant la défense. Staff médical de Chelsea qui continue de prendre soin de Mélanie Loy Pauls qui a l'air de souffrir. Aperçu à l'instant en tribune Rhys James, le frère de Lauren James. Voilà, ils ont eu droit à leur petit moment durant cet arrêt de jeu. Ils ont été les premiers d'Angleterre, premiers frères et sœurs à connaître sélection internationale dans l'histoire de la sélection anglaise, lorsque Lauren James a été convoqué pour la première fois au mois de septembre avec les Three Lions. Également de cet arrêt de jeu si vous ne l'avez pas suivi. Kervé Renard a été nommé officiellement sélectionneur de l'équipe de France féminine aujourd'hui. La première liste des Bleus attendue dès demain pour des matchs de préparation à la Coupe du Monde qui se tiendra cet été en Australie et en Nouvelle-Zélande. Allez, le changement qui va être effectué. L'entrée donc de Sophie Ingle à la place de Mélanie Loy Pauls. Joueuse de Chelsea, provisoirement à 10. Sam Kerr avec Wrighton. Ballon intercepté par Lindsay Horan. Debritz avec Bacha. Bacha, Van de Donk dans la surface de réparation qui n'a pu aller plus loin. Stoppé par Buchanan. Lauren James. Cuthbert en une touche pour Wrighton qui a vu le départ de Sam Kerr, mais
Le centre est manqué. Et voilà l'entrée d'Ingle finalement, qui peut faire son apparition sur le terrain. Ça n'a pas l'air d'aller fort pour Esperissen non plus. C'est plein de douleurs aux côtes. On va devoir céder sa place également. Sans doute Maren Mjelde qui va lui succéder sur le terrain. L'expérimentée norvégienne qui est en train de se préparer. Elle qui était déjà entrée en cours de jeu lors du match aller. Ancienne coéquipière d'Ada Egerberg à Potsdam. Et côté lyonnais, on aperçoit Vicky Béchaud, la jeune attaquante. Lors d'un très beau but ce week-end face à Guingamp. Peut-elle changer le cours de ce match aussi en amenant un grain de folie, de l'audace. Allez, la passe manquée. Ce serait une touche pour Chelsea. Est-ce que le changement pourra être effectué? Va-t-on attendre quelques instants? C'est le bon Pastor qui fait signe à l'arbitre de décompter les arrêts de jeu. Il y en aura forcément beaucoup avec... La blessure au nez de Loïc Pauls tout à l'heure. Ça y est, les changements qui peuvent être effectués. Sortie de Périssé, remplacé par Mjelde, donc c'est du poste pour poste. Et côté lyonnais, Vicky Béchaud. À la place de qui? Damel Majri. Que ça va changer le système de jeu lyonnais. On va voir ça dans quelques instants. Gerberg à la bagarre. Ouais, l'OL qui va désormais jouer en 4-2-3 hein, sans doute. Avec Béchaud et Gerberg et Cascarino en attaque. Soutenu par Van de Donk. Et attention à cette offensive de Chelsea. Ballon sorti de la tête par Vanessa Gill. Le retour de Béchaud pour Generaiten. Corner pour Chelsea. Les grands gabarits qui vont monter aux avant-postes. Alors le corner sera direct. Frappé par la nouvelle entrante, Mjelde, qui aura une deuxième chance pour centrer dans les gants d'Endler. Le dégagement sur Delphine Cascarino. Allez, elle est passée, Cascarino. Il n'y aura peut-être pas grand monde dans l'axe. Elle temporise. Le centre deuxième poteau. Debritz qui traînait là. Et la frappe de Bacha. Dévié, ce sera un corner. Un quart d'heure encore à jouer dans le temps réglementaire. Sans doute 20 minutes si l'on compte les arrêts de jeu. Il y a encore le temps, il y a encore la place d'inscrire au moins un petit but pour arracher la prolongation. Frappé tendu, premier poteau, deuxième chance peut-être. Debritz qui perd le ballon
face à Gasbert. Loren à la récupération. Les Brits avec Béchaud. Allez, l'un de ses premiers ballons offensifs, Vicky Béchaud. Et la touche sera pour Chelsea. Il ne semblait pas d'accord la jeune lyonnaise. Loren. Suivi de près, de trop près. Elle obtient un coup franc. Debritz avec son pied gauche. Le centre renvoyé par Ingel. Salma Bacha pour remettre ce ballon dans la boîte. Wendy Renard resté aux avant-postes. Et à l'arrivée de Rennes. Premier poteau et le but! Ce ballon qui est rentré, Vanessa Gilles qui égalise à un quart d'heure de la fin du match. Les compteurs sont remis à zéro. L'OL qui refait son retard. 1-0 pour les Lyonnaises ici sur le terrain de Chelsea. L'action semblait presque anodine. Mais ce ballon qui finit bien au fond des filets. Vanessa Gilles, tout comme Wendy Renard, était restée... dans la surface de réparation, c'est Wendy Renard qui dévie dans un premier temps. Oren qui s'arrache face à Carter et Vanessa Gilles, opportuniste au premier poteau, qui vient tromper la vigilance d'Anne-Catherine Berger. Ballon qui lui passe sous le bras. Oh, qu'il est important ce but. Qu'il est important pour l'OL. Et l'immense joie, l'immense soulagement de Vanessa Gilles. On le disait déjà décisive lors du match de poule sur le terrain d'Arsenal. À l'origine de l'unique but lyonnais qui avait permis à l'OL de se remettre en bonne position pour se qualifier. Et bien là, quel but important pour Vanessa Gilles. Et attention à la réaction de Chelsea. Carpenter qui dégage. Après un gros temps mort dans ce match, avec les soins portés à Loy Pauls, avec les changements ensuite, on avait l'impression que ce match tombait dans un faux rythme. Tout est relancé. Debritz qui gagne un petit peu de terrain. Béchaud. Allez, ballon est sorti. Allez, on revoit sous un autre angle le but de Vanessa Gilles qui a bien senti le coup au premier poteau. Renard, Bacha. Est-ce que les Lyonnaises vont être capables sur leur lancée d'inscrire un deuxième but, d'arracher la qualification? En tout cas, ça fait un moment que Chelsea n'a pas été dangereux. Peut-être là, avec James. Oh, James, qui a complètement manqué sa passe ou sa frappe. On a
pas vraiment ce qu'elle voulait faire. Donc, c'est vers Cascarino. Wendy Renard, loin devant, trop loin, directement dans les gants de Berger. Quelle tension, quel suspense en cette fin de match. Dans l'entrejeu avec Reiten. Sam Kerr demande une main côté lyonnais, ça joue. Ah, ça se bagarre sur chaque ballon. Désormais, chaque ballon est précieux. À l'image de ce retour de Van de Donk qui avait perdu le ballon devant Reiten. Et la Kusbert qui s'impose face à Carpenter. Kusbert qui peut servir Reiten côté gauche. Centre contré, corner pour Chelsea. Et ça commence à faire du bruit dans les gradins. Assez discret depuis le début de la partie, les supporters de Chelsea. Seiya, ils donnent de la voix, ils encouragent. Arbitre qui va faire la police dans la surface de réparation. Rappelé à l'ordre, notamment à Daigerberg. Daigerberg au marquage d'Eriksson. C'est parti pour ce corner frappé par Miel 2. Deuxième poteau, la tête de Wendy Renard. Bacha qui sort ce ballon. Pas de faute signalée, ça joue. Buchanan directement sur la tête de Wendy Renard et le dégagement de Van de Donk. Berger qui allonge sur la tête de Carpenter. Lauren James taclé par Van de Donk, ce sera un coup franc et un carton pour la néerlandaise. Aucune lyonnaise était sous le coup d'une suspension en cas de qualification pour les demi-finales. Carton mérité pour Van de Donk, bien en retard là sur James. Guro Reiten pour frapper ce coup franc. C'est parti pour la Norvégienne. Deuxième poteau. Envoyé une première fois. Ça revient avec cette frappe sortie par la défense lyonnaise. Ellie Carpenter là qui s'est lancé dans un pressing tout terrain. Il va falloir compenser. Béchaud sanctionné dans son duel avec Reiten. Elle aussi fait un gros match. Attention, ça joue vite. Lauren James, le centre, deuxième poteau. Trop profond. Il faut être vigilant, il faut être plus malin là-dessus. La jeune Vicky Béchaud, là, pas attentive. Ça fait partie de l'apprentissage du haut niveau.
Bashar Haran. Allez, elle obtient un coup franc qui va faire souffler toute son équipe. La passeuse décisive, Lindsay Horan. Cinq minutes à jouer dans le temps réglementaire. Il y en aura certainement cinq autres minimum dans le temps additionnel. Wendy Renard qui cherche la profondeur vers Cascarino. Allez, Van de Donk. De Brits. Avec Cascarino, centre contré. Bacha, attention au pressing. Ballon qui a filé directement en touche. Attention à ce ballon. Nouvelle fois récupéré par Cuthbert. Ça n'est pas allé plus loin. Béchaud qui a pris le dessus sur Carter. Allez, Vicky Béchaud s'appliquait sur le centre. C'est renvoyé par Eriksson. Vanessa Gilles. Un bon ballon vers De Brits. De Brits sur son pied gauche. Servir Cascarino. Cascarino face à Miel 2 qui rentre intérieur, qui centre devant le but directement dans les gants d'Anne-Catherine Berger. Ah ouais, Béchaud. Carpenter qui allonge vers Egerberg, la remise pour personne malheureusement. Deux anciennes coéquipières à Potsdam également, Anne-Catherine Berger et Ada Egerberg. Elle faisait partie de l'équipe avec Maren Miel 2 qui avait éliminé l'OL lors de la saison 2013-2014. Dès les huitièmes de finale. James. Bonne récupération de balle précieuse de la part de Lindsay Horan. Derrière Ingle qui est venu chipper ce ballon à Egerberg. Allez, 22 donc. Attention, pas prendre de deuxième carton. Brighton, centre dévié. On demandait une main peut-être côté Chelsea. Ça n'a pas été signalé. Cascarino. Et pas de faute, ça joue. Chaque attaque désormais peut être décisive. D'un côté comme de l'autre. On va bientôt rentrer dans le temps additionnel. Si une équipe venait à marquer maintenant, ça serait quasiment plié. Charles pour le centre, directement dans les gants d'Endler. Delphine Cascarino. Qui est rentré intérieur. 7 minutes de temps additionnel. Carpenter, côté droit. Le centre, la tête d'Egerberg, ça passera au-dessus.
elle avait pris le dessus une fois de plus dans les airs. Entre les deux axiales, Eriksson et Buchanan. Et ce ballon pris du haut du crâne a pu être bien ajusté. Quatorzième tentative lyonnaise, un petit peu plus que Chelsea, qui n'en compte que 11. Et encore un coup franc obtenu par Lindsay Horan qui finit très bien ce match. À l'image de sa passe décisive, son repositionnement aussi devant la défense lui a permis de toucher plus de ballons, d'être plus influente dans le jeu. Miel 2, ballon perdu, ça profite à Cascarino. Renard, Bacha, au centre, deuxième poteau. Berger qui s'empare du ballon et qui relance rapidement sur Wrighton. Serré de près par Carpenter. Pressing qui permet d'obtenir la touche. C'est joué rapidement sur Egerberg, Béchaud. Allez Béchaud, il faut tenter quelque chose. Le centre d'Egerberg. Cascarino, pourquoi pas, ballon qui traîne. C'est dégagé. Les Lyonnaises qui gardent le monopole du ballon. Selma Bacha avec un nouveau centre. Deuxième poteau, sorti de la tête par Carter. Ce sera un corner. Allez, il y a un bon coup à jouer là, dans le temps additionnel. Le moment d'aller chercher peut-être le but de la qualification. Elle discute. Renard, Owen, Egerberg. Selma Bacha pour frapper ce corner. Deuxième poteau, Berger qui dégage du point. Ballon dans les pieds de Debritz. Qui va remettre ce ballon dans la surface de réparation. Et Sam Kerr derrière qui dégage loin devant. Tension palpable hein, dans les gradins. On n'entend pas un bruit, pas un mot. Bande de donc, Oren, Béchaud. Vicky Béchaud face à Jess Carter. Passé. Est-ce que ce centre a été dévié? Non, ce sera un 6 mètres. Ah, difficile hein, de passer Jess Carter, mais la seule fois que les Lyonnaises y sont parvenues, c'est sur le but avec ce débordement de Lindsay Owen. Le dégagement de Berger. Bon ballon. Faute obtenue par Debritz. Cette charge de Cosbert. Il va rester un peu plus de 2 minutes à jouer. Peut-être une dernière opportunité. Bacha Cascarino peut perdre ce ballon. Oren en lampe de rancement pour tenter de trouver Van de Donk. Berger toujours pas pressé.
Kasbert, attention. Heureusement, passe trop molle, anticipé par Wendy Renard. Macha Egerberg, pas de hors-jeu, ça joue avec l'accélération de Delphine Cascarino. Le centre renvoyé par Magdalena Eriksson. Pas beaucoup de solutions pour Niamh Charles. Tenter d'alerter Sam Kerr, que l'on a moins vu hein, en seconde période. Attention à James. Allez, passer à Lauren James. Peut-être une dernière occasion pour Chelsea dans ce match. Et Handler qui s'impose. 30 secondes à jouer dans le temps additionnel. 30 secondes avant la prolongation. Sauf si cette attaque se termine par un but. Carpenter. Béchaud, le contre-favorable. Le centre et la tête pour sortir ce ballon. La tête d'Eriksson. Y aura-t-il un dernier corner? Est-ce que l'arbitre va le laisser se jouer? C'est Debris qui va se charger de le frapper. Ultime corner pour les Lyonnaises. C'est parti pour le pied gauche de Debris. Deuxième poteau. Ça ne donnera rien. Et l'arbitre qui siffle le coup de sifflet final. On va donc avoir droit à une prolongation dans ce quart de finale retour. Allez, Lyonnaises qui ont fait la moitié du chemin en parvenant à refaire leur retard, en parvenant à marquer ce petit but grâce à Vanessa Gilles. Un but qui permet d'entretenir l'espoir après la défaite 1-0 la semaine dernière. Courageuse, hein, courageuse, valeureuse. Elles y ont cru, elles continuent d'y croire, les Lyonnaises. Face à une équipe de Chelsea difficile à bouger. Une équipe de Chelsea qui a sans doute cru longtemps pouvoir tenir cet avantage d'1-0 acquis lors du match aller. C'est peut-être en seconde période un peu trop contenté de tenir le score, même s'il y avait eu de belles occasions en première période, notamment avec ce duel Sam Kerr Christian Handler. On peut dire que lors des 45 premières minutes de jeu, la gardienne de l'OL aura été décisive avec deux arrêts de grande classe, l'un sur Kerr et l'autre sur une tentative de Lauren James. Les deux coachs qui se connaissent bien, qui se connaissent parfaitement, qui savaient que cette double confrontation allait être très solide. Allez, on revoit les plus belles occasions de ce match. En première période, tout d'abord, la tentative de Delphine Cascarino, relâchée par Berger. La frappe non cadrée de Brun, idéalement placée. Et derrière, les deux arrêts de grande classe de Christian Handler. Le face-à-face remporté face à Sam Kerr. Et la manchette sur cette tentative de Lauren James. Et puis au retour des vestiaires, donc, le but libérateur, salvateur de Vanessa Gilles, la Canadienne, à l'affût au premier poteau. Sur ce centre de Lindsay Horan, l'américaine.
Rarement on aura vu autant de tension sur une double confrontation, ce stade des quarts de finale lors des dernières saisons. C'est d'ailleurs la première fois que l'OL s'apprête à disputer une prolongation hors finale. On se souvient de la finale malheureuse perdue au tir au but en 2010, la première disputée par l'OL face à Potsdam à Getafe, près de Madrid en Espagne. Et puis il y a eu cette prolongation en finale contre Wolfsburg à Kiev, où les Lyonnaises avaient fait craquer les Allemandes, l'emportant finalement 4 buts à 1. C'était en 2018. Et cette fois-ci, c'est donc quart de finale que l'OL va devoir disputer, une prolongation. Entrée côté Chelsea de la jeune attaquante Riting Kaneryd, la jeune suédoise qui était déjà rentrée lors du match aller. On va essayer du côté d'Emma Hayes d'apporter un petit plus offensivement. Ces joueuses ont été assez discrètes en seconde période. L'entrée d'Ada Egerberg, elle a fait du bien à l'OL. Elle a apporté toute son envie, toute sa présence offensive, son activité, ses appels de balles. Allez, c'est parti pour cette première mi-temps de la prolongation. C'est Reiten qui a cédé sa place, auteur d'une prestation plutôt solide à l'image de son match aller, poste pour poste donc. Berger au dégagement. Owen à la retombée. Engel, Sam Kerr, attention aux appels de balle. James qui est servi, parvient à conserver le ballon, le centre à présent, et Vanessa Gilles qui intervient. Wendy Renard, l'ouverture, loin devant, sur Buchanan, débride à la récupération avec Cascarino. Owen, la frappe peut-être de l'américaine puissante mais pas cadrée. Les Lyonnaises qui physiquement peut-être un avantage sur Chelsea, d'abord un jour de récupération en plus. Les Lyonnaises ont joué leur match de championnat samedi contre Guingamp. Sonia Bonpastor avait fait tourner son effectif, quelques rotations. Chelsea a dû enchaîner un troisième déplacement de suite sur le terrain de Manchester City. Un match décisif dans la course au titre, perdu 2-0. Match disputé dimanche. Joli geste de Vicky Béchaud. Et la faute obtenue. Engel qui dégage. Lauren James sanctionné. Il obtient beaucoup de coups francs, Lindsay Horan. L'expérience de l'américaine pour bien protéger son ballon. Championne du monde avec les États-Unis.
en 2019 face à l'Irlandaise de Van de Donk en finale. Bacha avec la tête justement de Horan, sans danger pour Berger qui relance vite avec la nouvelle entrante Rytting Kanerid qui n'est pas passé au retour de Van de Donk. Gros volume de jeu, ancienne joueuse d'Arsenal ce soir. Attention à cette passe de Wendy Renard mal ajustée, permet à Chelsea de récupérer le ballon. Cuthbert, Rytting Kanerid s'appuie sur Ingle, la Suédoise qui peut centrer, la tête de Wendy Renard et des Brits pour écarter le danger. Egerberg en remise sur Cascarino. Allez, Cascarino face à Miel 2, elle va plus vite Delphine Cascarino. Et malheureusement, en bout de course, elle manque son centre-pied gauche. Pas sur son bon pied. Et on a entendu le bon Lyonnais lui dire vas-y, vas-y. Accélère. Elle a hésité au début, Delphine Cascarino. Supporters lyonnais, eux, mettent l'ambiance, on les entend dans Stamford Bridge, au milieu de quelques 15 000 spectateurs. Berger loin devant. Remise de la tête de Charles directement sur Carpenter. De Brits avec Van de Donk qui s'est relevé à temps. Horan, De Brits bien prise par Buchanan. Solide l'ancienne lyonnaise dans son intervention qui gagne un peu de terrain, qui centre. Attention à Cuthbert, frappe trop enlevée, ça passe largement au-dessus. Alors que la pluie a fait son apparition, capuché de sortie pour Emma Hayes. Allez, nouveau changement côté lyonnais, entrée de Melvin Mallard à la place de Delphine Cascarino. Qui était déjà rentrée lors du match aller. Elle qui avait réalisé une belle phase de poule en inscrivant 4 buts. Qui était gênée au mollet ces dernières semaines. Elle sera peut-être plus à l'aise que Delphine Cascarino sur ce côté gauche qu'elle a plus l'habitude emprunté. Attention, Sam Kerr, le bon retour de Wendy Renard et Vanessa Gill. Elles s'y prennent à deux face à l'attaquante australienne. Il fallait bien cela. Egerberg qui arrive à s'imposer dans les airs, mais il n'y a pas toujours assez de monde autour. Et derrière, le gros duel entre Kadesha Buchanan et Danielle Van de Donk, la Canadienne qui a l'air de souffrir. Espérons que ce ne soit pas trop grave pour Kadesha Buchanan qui, l'a vu, s'est tout de suite tenue la cheville droite. On voit là, la
Double intervention de Wendy Renard et de Vanessa Gilles face à Sam Kerr. Donc et Buchanan qui reste toutes les deux au sol. Andy Renard qui vient prendre des nouvelles de son ancienne coéquipière. Ça n'a pas l'air d'aller fort hein, pour Kadesha Buchanan. Alors qu'on revoit pour l'instant l'unique but de la partie, inscrit à la 77e minute de jeu par Vanessa Gilles. Qui a succédé justement à Kadesha Buchanan. Elles sont coéquipières en sélection 1. Les deux Canadiennes. Elles ont remporté les derniers Jeux Olympiques ensemble. Alors Buchanan a pu se relever. Peut-être plus de peur que de mal. Ça a l'air d'aller également pour Van de Donk. Que le jeu reprenne avant de permettre aux deux joueuses de refaire leur apparition sur le terrain. C'est parti, l'arbitre a donné le feu vert. Le Canan qui boite encore. On va voir si ça tient. Il reste au moins 5 minutes à jouer dans cette première mi-temps de la prolongation. Vicky Béchaud face à Jess Carter. Béchaud qui accélère, qui tente de prendre le dessus. Compliqué, mais elle obtient un corner, Vicky Béchaud. Vanessa Gilles va monter. Pourquoi pas s'offrir un doublé inoubliable. Souhaitons-lui. Debride, c'est son pied gauche pour frapper ce corner. Premier poteau renvoyé de la tête par Carter. Bacha, la reprise largement à côté. Consigne d'Emma Heise qui rêve tellement de remporter cette compétition avec Chelsea après la finale perdue il y a deux saisons contre le Barça lors de défaites. Chelsea avait eu du mal à s'en remettre, éliminé la saison dernière dès la phase de poule. Debritz. Egerberg qui tente d'alerter Béchaud. Ouverture de Carter. Ellie Carpenter à la recherche d'une solution. Chercher loin vers Gerberg. Oren.
Vanessa Gilles qui va mettre ce ballon dans la boîte. Ballon sorti de la tête. Ça revient sur Ingle qui peut écarter. Ritting Kaneri, elle a des jambes, la suédoise. Elle accélère sur son côté droit. Ingle qui avait poursuivi sa course. Ballon a été dégagé dans un premier temps. Ça va revenir. Miel de Cuthbert. Ingle qui manque complètement sa passe. Attention, Van de Donk pressé par Cuthbert. Duel d'hyperactive, milieu de terrain. Van de Donk qui s'est laissé tomber là, qui est resté au sol. Est-ce que c'est suite au duel tout à l'heure avec Buchanan? Carter. Deuxième poteau, Sam Kerr face à Salma Bacha. Miel 2 qui était venu combiner. Le retour de Melvin Mallard. Et la petite louche, c'est passé. Ballon n'est pas sorti ici. Alors, est-ce que Van de Donk a pu se relever? Oui. Elle donne tout ce qu'elle a, la néerlandaise. Elle ne ménage pas ses efforts comme à son habitude. On arrive au bout du temps réglementaire. Il y aura peut-être un peu d'arrêt de jeu suite au duel entre Van de Donk et Buchanan tout à l'heure. Cette première période de la prolongation. Deux minutes de temps additionnel. Eriksson, Buchanan. Buchanan qui va écarter sur la droite. C'est de bonne anticipation de Salma Bacha. Ah ouais, le duel. Bacha qui surgit. Mallard, Renard, petit ballon piqué vers Debrit qui n'a pas réussi à le contrôler. Encore une minute à jouer dans le temps additionnel. Eriksson, Ingle. Buchanan qui a retrouvé toutes ses sensations, qui peut alerter Maren Miel 2. La touche obtenue, 30 secondes. La place pour une dernière occasion pour Chelsea. Cuthbert. Cuthbert, est-ce que ce ballon va sortir? Non. Allez, ballon sorti. Sur Egerberg, sanctionné, pas d'accord avec la décision de l'arbitre. Et on va laisser jouer ce dernier coup franc. Allez, c'est la pause dans cette prolongation. Toujours 1-0 pour l'OL. Les deux équipes toujours à égalité sur l'ensemble des deux matchs. Il va rester 15 minutes pour se départager, sinon ce sera les tirs au but. Allez, le temps de souffler un tout petit peu, de se réhydrater. De récupérer au passage quelques consignes des coachs.
On aperçoit Camille Abili, également l'adjointe de Sonia Bonpastor. Les deux anciennes joueuses qui en ont connu des matchs contre les équipes anglaises. On se souvient du premier exploit contre Arsenal lors de la saison 2007-2008 à ce même stade des quarts de finale où les Lyonnaises étaient venues s'imposer 3-2 en Angleterre pour valider leur qualification. On se souvient d'une demi-finale contre Arsenal également quelques années plus tard, l'année du premier sacre en 2011. Et puis ensuite des confrontations face à Manchester City, face à Chelsea. Les Lyonnaises s'en sont toujours bien sorties face aux clubs anglais. Allez, Jennifer Marojane pour apporter sa technique, sa vista. Elle qui était titulaire lors du match aller. Elle va rentrer à la place de Danielle Van de Donk qui a tout donné. Jennifer Marojane qui a décidé de mettre un terme à sa carrière internationale, qui vivra ses deux derniers matchs avec la National Mannschaft dans les prochaines semaines. Elle ne participera pas à la Coupe du Monde cet été. Entrée également de Perle Moroni à la place de Selma Bacha du poste pour poste. Elle amène un peu de fraîcheur sur la toute fin de rencontre. Moroni elle aussi était titulaire lors du match aller. Elle a également connu un affrontement face à Chelsea lorsqu'elle évoluait au PSG. C'est Chelsea qui va engager pour cette seconde période de la prolongation. 15 minutes à jouer. Allez, c'est reparti pour la dernière phase de jeu de ce match et de cette double confrontation à suspense. Wendy Renard loin devant Vera Dijkerberg, intervention de Buchanan. Nouveau jeu long par la capitaine de l'OL pour trouver Vicky Béchaud, c'est précis. Béchaud qui tente une nouvelle fois de déborder, cette fois-ci le centre est passé. Et personne à la réception. Debritz. Oren. Renard qui écarte sur Moroni. Avec Mallard. Marojane. Passe manquée, le temps de se mettre, de rentrer dans le match. En tout cas, Sonia Bonpastor aura pleinement profité de la profondeur de banc dont elle dispose et dont elle n'a pas toujours disposé cette saison avec les nombreuses blessures des unes et des autres. Encore évidemment Bridget Bock, Katharina Macario, mais également Amandine Henry, une des grandes absentes, blessée juste avant cette double confrontation face à Chelsea. Elle qui avait ouvert le score en finale de la saison dernière, on s'en souvient, d'une frappe somptueuse. La touche effectuée par Jess Carter qui va aller chercher loin dans la surface de réparation. Ballon sorti de la tête, ça revient sur Carter. Cuthbert contré par Béchaud. Debritz.
Marujan en taclant pour Carpenter. Carpenter face à Eriksson. Et on demande un petit quelque chose, une main peut-être. C'était en dehors de la surface de réparation. Oui, main décollée. S'en sort bien Eriksson. À un ou deux mètres près. Ça aurait pu coûter plus cher à son équipe. En attendant, on va voir le dénouement de cette action. Et de voir si ce coup franc peut aboutir à un but pour l'OL. Debrit, c'est Marojan, les deux Allemandes. C'est le pied gauche de Zara Debrit qui va venir frapper ce ballon. Deuxième poteau, ouais, trop profond. Occasion manquée pour l'OL, manque de justesse. Elle a voulu frapper fort deuxième poteau, mais trop haut. Allez, nouvelle remise en jeu pour les Lyonnaises. Il va rester une dizaine de minutes à jouer dans ce quart de finale retour. La séance de tir au but qui se rapproche petit à petit. Béchaud, Egerberg. Le centre d'Egerberg. Debrit, pourquoi pas pied gauche et le but. Le deuxième but lyonnaise, Zara Debrit. Les Lyonnaises qui prennent les devants, qui se rapprochent de la qualification, 10 minutes à jouer. Et toute la joie des supporters lyonnais qui ont fait le déplacement. La libération également côté lyonnais. Ah, on les sentait plus entreprenantes, les Lyonnaises, notamment depuis le but de Vanessa Gilles. Et derrière ce centre d'Egerberg qui parvient jusqu'à Debrit, pied gauche, bien ajusté, ballon qui finit au fond des filets, Berger ne peut rien. Frappe légèrement écrasée, mais bien placée. Et grand sourire pour Debrit qui a manqué elle aussi tout le début de saison, blessé juste après son arrivée à l'OL, qui a disputé son premier match de Champions League de la saison la semaine dernière au Groupama Stadium et qui la vient pour l'instant délivrer l'OL. Et on peut dire que c'est plutôt mérité, hein. Les Lyonnaises sont plus entreprenantes. On sent une équipe de Chelsea qui a du mal à réagir, à aller de l'avant. Fleming a remplacé Cuthbert pour les derniers instants de ce match, pour les dernières minutes. Mendy Renard, le dégagement. Allez, il va falloir tenir bon là jusqu'au bout, tenir cet avantage. Handler qui va gagner du temps désormais, à l'image de ce que faisait sa vis-à-vis Anne-Catherine Berger quand Chelsea avait encore l'avantage sur l'ensemble des deux matchs.
ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas vu les attaquants de Chelsea, Lauren James, Sam Kerr en action. Egerberg au duel avec Buchanan. Sifflet de l'arbitre. Attention à cette opportunité. Pas de passe volontaire. Carpenter, Verhendler. Egerberg, Marojan. Debritz. La buteuse providentielle pour l'instant. Un ballon. On est agile. Il ne va pas prendre de risque. Qui dégage loin devant. Allez, il va falloir se bagarrer là sur chaque ballon pour tenir ce résultat. Ah, c'est une grosse, grosse performance hein, que sont en train de réaliser les Lyonnaises face à cette équipe de Chelsea, vraiment dure à bouger. Et voilà l'expérience, la sérénité dont parlait Sonia Bonpastor hier en conférence de presse. Celle d'une équipe qui a déjà remporté 8 fois la compétition et qui, même dans l'adversité, parvient à trouver pour l'instant les ressources nécessaires pour venir arracher une qualification. Encore quelques minutes à jouer, on n'y est pas encore, mais si ça devait se confirmer, on aurait une demi-finale OL FC Barcelone, le remake de la dernière finale. Allez, on revoit une nouvelle fois sous un autre angle le but libérateur de Zara Debritz, l'internationale allemande. Et derrière, l'explosion de joie. Un dégagement d'Edler. Debritz de la tête. Ballon cafouillé. Egerberg qui est là. Alors elle fait du bien à Egerberg. Marojan contré. Obtient la touche. Sont forcément frustrés, déçus. Emma Heiz. Ces joueuses n'ont pas réussi pour l'instant à profiter de ce match retour à domicile, s'appuyer sur le public pour enflammer ce match. Owen qui obtient encore un coup franc, un plus. Un carton jaune distribué par l'arbitre au passage. Déjà averti lors du match aller, Sophie Ingle. Oui, qui avait un peu trop fort là sur Owen. Allez, 3 minutes, 3 petites minutes à jouer.
marseillaise est entonnée par les supporters lyonnais qui ont fait le déplacement. Il y aura, si le score en reste là, bien un représentant français dans le dernier carré de la compétition après l'élimination du PSG, on le rappelle, face à Wolfsburg avant ce match. Gerberg s'est bagarré là vers le poteau de corner, ballon tout de même récupéré par les joueuses de Chelsea. Sonia Bonpastor qui est intenable, on la comprend, sur le banc de touche. Elle donne tout elle aussi. Tout ce qui lui reste dans la voie pour encourager ses joueuses. Il ne devrait pas y avoir beaucoup d'arrêts de jeu là. À l'issue de cette seconde période de la prolongation. Il ne reste pas beaucoup à tenir. Allez, une minute avant la fin de ce match. Les Lyonnaises qui tiennent bon leur qualification. On va pas parler d'exploit, mais grosse performance. Carter. On a l'impression qu'il n'y a plus de jus. Hein. Côté Chelsea, il n'y a plus d'idées. Les Lyonnaises ont pris l'ascendant psychologique en réussissant à inscrire le premier but. D'abord par Vanessa Gilles, puis le deuxième par Zara Debritz. La voici, la deuxième héroïne de cette soirée. Carpenter. Allez, on y est. Ah, il y aura quand même 2 minutes. Il y aura quand même 2 minutes de temps additionnel. Allez, 2 petites minutes à tenir. Egerberg au duel, à la bagarre. Attention à cette dernière offensive. Une faute et carton pour Jennifer Marogen, qui n'était pas sous le coup d'une suspension. Les cartons seront d'ailleurs remis à zéro en demi-finale. Sauf carton rouge, bien sûr. Qu'une Lyonnaise, quelle qualification, ne devrait manquer les demi-finales. Mais avant cela, il faut tenir sur ce coup franc, peut-être le dernier. C'est Berger, la gardienne de Chelsea, qui va le frapper. Les 21 autres actrices sont dans cette zone du terrain. Berger pour frapper ce coup franc. Deuxième poteau. Sam Kerr qui remet dans la boîte. La tête de Béchaud. Lauren James. Allez, pas de faute, il n'y a rien. Elle est tombée toute seule, Lauren James. Même si ça gronde dans les gradins, elle le sait. Et ça n'est pas terminé. Avec une nouvelle remise de la tête, ça passe largement à côté. Ah, on a espéré dans les gradins qu'il y aurait un petit coup de sifflet, mais on va le revoir. Elle s'écroule vraiment toute seule, Lauren James. Se prend les pieds dans le tapis. Elle lève les bras sans vraiment y croire, on a l'impression. Emma Hayes. Il y a quand même un check de l'assistance vidéo. On a vu tous les angles hein, de ralenti, mais ce serait vraiment surprenant qu'un penalty soit sifflé sur cette action.
forcément de la tension, attente de la décision. Alors, est-ce qu'on va mieux voir les choses sur cet angle-là ? Le petit doute qui vient s'installer avec la jambe de Vicky Béchaud peut-être. Et l'arbitre qui va aller consulter la vidéo assistance, qui va aller vérifier par elle-même. Et ça, c'est jamais bon signe. C'est jamais bon signe quand l'arbitre est appelé à aller vérifier une action. On voit la jambe gauche de Vicky Béchaud qui vient toucher la jambe droite de Lauren James. Il n'y a évidemment rien d'intentionnel. Mais est-ce que ça peut suffire, ce petit contact-là, à siffler un pénalty pour Chelsea ? L'arbitre va prendre sa décision. C'était pas évident à vitesse réelle, c'était pas évident sur le premier ralenti. Mais sur celui-ci, il y a clairement un petit contact. La lourde décision pour l'arbitre de la rencontre. Que va-t-elle signaler ? Le pénalty. Le pénalty pour Chelsea. Incroyable retournement de situation à la toute fin des arrêts de jeu. Et Chelsea qui a l'occasion d'arracher une séance de tir au but désormais. Incroyable fin de match. Quel suspense jusqu'au bout. Quelle tension dans cet affrontement. Ah, les Lyonnaises qui croyaient tenir bon leur qualification. À quelques secondes de la fin du match. Alors, qui va frapper ce penalty côté de Chelsea ? Ouais, Marine Mieldeux, l'une des spécialistes. Elle qui avait participé à l'élimination de l'OL avec Potsdam en inscrivant un penalty au stade de Gerland lors de la saison 2013-2014. La revoici sur penalty face à l'OL et face à Christian Endler. C'est une spécialiste hein, de cette phase de jeu, la norvégienne. Emma Hayes ne veut pas voir cela. Elle préfère entendre la réaction du public. Miel 2 face à Endler. Le pénalty de l'espoir pour Chelsea ou de la qualification pour l'OL en cas de raté ou d'arrêt. Alors que se passe-t-il à Lyonnaise qui continue de contester. Je comprends pas bien ce qui se passe. Penalty qui n'est toujours pas tiré. Et la coach de Chelsea qui essaie d'emmener le public avec elle, avec son équipe. Et cette fois-ci, le pénalty qui va être frappé par Maren Mieldeux. Penalty transformé, on aura droit à une séance de tir au but. 1-0 pour Chelsea à l'aller, 2-1 pour l'OL, ici à Stamford Bridge. Incroyable dénouement dans ce match, et on n'est pas au bout de nos émotions avec cette séance de tir au but qui se profile.
parfaitement frappé. Hein. Rien à faire pour Christian Endler. On le disait, c'est une spécialiste de l'exercice Mahan Miel 2. Elle envoie ce ballon en pleine lucarne, elle ne tremble pas. Et derrière, la libération sur le banc de Chelsea. Et on va revoir une fois de plus ce léger contact entre Vicky Béchaud et Lauren James. Ah, on sait, hein, dans ces moments-là, dans la surface de réparation, c'est évidemment plus facile à dire qu'à faire, mais éviter le moindre risque. On a senti qu'elle le cherchait, le contact, hein, Lauren James. Allez, Sonia Bonpastor qui remobilise ses troupes, ses joueuses. Et on va désigner les joueuses qui vont frapper des deux côtés. Allez, si on veut être optimiste, les deux équipes s'étaient affrontées en préparation cet été aux États-Unis. Et après un match nul, 2 buts partout dans le jeu, l'OL s'était imposé au tir au but 4-3. En demi-finale de WICC, tournoi amical que jouent désormais chaque été les Lyonnaises. Évidemment pas le même enjeu que ce soir. Allez, Christian Endler qui n'a pu détourner le pénalty de Mahan Miel 2 va de nouveau se positionner dans le but et on va retrouver le même duel qu'il y a quelques instants. C'est la Norvégienne qui va frapper la première côté de Chelsea. C'est assez rare, hein, à être souligné. Inscrire un pénalty dans les dernières secondes de la prolongation et frapper le premier tir au but de la séance que l'on vient d'arracher. Miel de nouveau face à Endler. Va-t-elle choisir le même côté? C'est le même côté. Et c'est au fond des filets. 1-0 pour Chelsea dans cette séance de tir au but. Une nouvelle fois, très bien frappé. La puissance, la précision. Jennifer Marojan, première tireuse côté lyonnais. Duel entre Allemande, Marojan face à Berger. Bien frappé également. Un partout. Les deux équipes toujours à égalité. Tout le sang-froid de Jennifer Marojan. Sam Kerr, la star australienne, qui n'a pas réussi à marquer dans le jeu lors de cette double confrontation, malgré quelques belles occasions.
Handler avait remporté ce face-à-face en première période. Mais cette fois-ci, Sam Kerr qui prend la gardienne de l'OL à contre-pied. 2-1 pour Chelsea dans cette séance de tir au but. La revenante, Ada Egerberg, auteur d'une très belle entrée, qui a retrouvé le chemin des filets ce week-end en championnat. Ancienne coéquipière à Potsdam, on en parlait dans ce match, Egerberg et Berger. C'est parti pour Egerberg, en force, au fond des filets de 2. Et toute la rage de la Norvégienne. Et qui est venu encourager Christian Endler, lui donner un peu d'énergie. Place à la Canadienne, Jessie Fleming, spécialiste également des pénalties. Elle en avait inscrit des décisifs avec le Canada lors des derniers Jeux Olympiques. Entrée en cours de jeu. Elle est bien frappée. 3-2 pour Chelsea. Fleming qui avait marqué sur pénalty en demi-finale des Jeux Olympiques face aux États-Unis, mais également en finale face à la Suède. Elle avait même inscrit son tir au but ensuite. Voilà. Encore converti ce soir. Allez, Wendy Renard pour égaliser à 3-3. La capitaine de l'OL. Ouais, c'est arrêté. C'est arrêté par Berger qui est parti du bon côté. Chelsea prend les devants dans cette séance de tir au but. 3-2 pour les Blues. Elle a voulu ouvrir son pied, Wendy Renard. Mais Berger était parti du bon côté. Ça commence à se compliquer. Il reste toutefois un peu d'espoir. Allez, à Handler d'essayer d'en sortir au moins un. Lauren James qui a obtenu le pénalty décisif à la toute fin du temps additionnel. Et l'arrêt d'Handler. Et bien voilà, l'espoir est de retour côté lyonnais. Pas très bien frappé ce penalty, ce tir au but. Handler qui le sort. Et tout de suite, après l'échec de Wendy Renard, l'OL qui a l'occasion avec Zara Debritz, la deuxième buteuse, de recoller au score. Ah, celui-ci, il ne faut pas le manquer. Sinon, ça offre une balle de match à Chelsea. Allez, faut recoller à 3-3. Debritz avec son pied gauche. Oh oui! Oh, il est touché par Berger, mais ça finit au fond des filets. Et bien voilà, les deux équipes de nouveau à égalité. Avec un peu de réussite, on va pas se le cacher. Place au cinquième tir au but de chaque côté. Jess Carter, la très solide latérale de Chelsea, qui aura fait deux gros matchs. Et c'est au fond, bien frappé, pleine lucarne. Chelsea qui reprend les devants. 4-3. Lindsay Horan, l'internationale américaine, pour égaliser, plus droit à l'erreur. Allez, pour faire en sorte que cette séance de tir au but se poursuive. Horan
face à Berger. Oh, c'est arrêté. C'est arrêté par Anne-Catherine Berger. Chelsea se qualifie pour les demi-finales. Énorme désillusion pour les Lyonnaises qui pensaient avoir fait le plus dur en menant 2-0 ici à Stamford Bridge jusqu'à ce penalty obtenu à la toute fin de ce match et à cette séance de tirs au but remportée par Chelsea avec deux arrêts de Berger. Ah, les Lyonnaises qui vont être terriblement déçues, frustrées de l'issue de cette double confrontation après avoir fait plus que jeu égal avec Chelsea, après avoir dominé les débats ici à Stamford Bridge, notamment en seconde période. Ah, mais le destin en a voulu autrement. Il était pourtant bien frappé, hein, ce penalty de Lindsay Horan, mais Berger réalise un superbe arrêt et envoie son équipe en demi-finale contre le FC Barcelone. Immense déception pour Sonia Bonpastor et ses joueuses. On savait que ça se jouerait à peu de choses, cette double confrontation entre l'OL et Chelsea. Et malheureusement, ça a tourné en faveur des Anglaises. Et les supporters lyonnais peuvent, malgré cette immense déception, peuvent être fier de ce qu'ont fait les joueuses ce soir. Quel coup du sort ce penalty sifflé en toute fin de partie sur ce léger contact entre Vicky Béchaud et Lauren James. Il n'y aura donc pas de club français en demi-finale de cette Women's Champions League. Le PSG sorti par Wolfsburg et l'OL éliminé par Chelsea. C'est une première, hein, depuis la saison 2013-2014. Allez, belle cette image. Hein. Wendy Renard et Ada Egerberg qui viennent consoler Lindsay Horan. Et l'immense joie des joueuses de Chelsea, évidemment. Millie Bright, absente ce soir, qui peut espérer faire son retour pour les demi-finales face au FC Barcelone. Allez, les chiffres de ce match que l'on ne retiendra pas, évidemment. On ne retiendra que la victoire de Chelsea au tir au but. Mais tout de même, hein, 18 frappes dans ce match côté lyonnais avec une possession de balle légèrement favorable. On peut dire que les Lyonnaises auront réussi leur match, auront réalisé une grosse prestation ce soir, mais cela n'aura pas suffi, malheureusement. Stamford Bridge maudit pour les Lyonnaises qui s'étaient inclinées ici en finale en 2013 et qui s'inclinent au tir au but ce soir. On se quitte là-dessus. Bonne fin de soirée. Malgré tout, à vous, merci de nous avoir suivis. Et à très vite sur DAZN et sur YouTube. Running needs nothing. It was born free. Goalpost free. Finish line free. Running doesn't care whether you're breaking records or setting a record for breaks. Running needs nothing but you.
The new dawn of Anthony Joshua begins. With all future fights live exclusively on The Zone. Rising with a clear mission. Come back stronger. Redemption is in the ring. Witness the rise. Starting with Joshua versus Franklin, live only on The Zone.